Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Canal Turf Info, au programme de cette édition consacrée aux courses du mercredi 8 avril 2020. Vos actualités, le programme des courses du jour, des chevaux à suivre, éventuellement à jouer. Le quintet, lui, a bien lieu à Hong Kong sur le champ de course d'Happy Valley et on compte 12 partants au départ sur le kilomètre avec tournant. Vous êtes prêts? Eh bien, lançons ce numéro de Canal Turf Info. Une réunion a eu lieu hier matin, mardi, entre les représentants de l'État et les dirigeants de l'institution des courses. Il est consécutif à la remise aux dirigeants de l'État d'un état des lieux exhaustif et complet des courses hippiques au moment de cette crise du Covid-19. J'ai pour ma part appelé Stéphane Meunier ce mardi matin pour évoquer avec lui la situation des professionnels du trot durant cette crise sanitaire. Le président des entraîneurs et drivers souhaite évidemment une reprise rapide des courses, quitte à ce que ce soit à huis clos dans notre pays, mais pas à n'importe quel prix, autrement dit, sans baisse des allocations. Matériellement, selon lui, les sociaux du trot tiennent le coup, mais au-delà des problèmes matériels existants, d'autres peuvent se faire jour, se lier par exemple aux dysfonctionnements constatés dans les services postaux. Ça n'a l'air de rien, mais je vais vous expliquer comment. En effet, certains clients, beaucoup même, payent toujours leur pension par chèque et la distribution du courrier connaissant certaines carences actuellement, je vous laisse imaginer les problèmes que cela peut par contre-coup engendrer. Huit réunions vous sont proposées ce mercredi à Hong Kong, en Australie, aux États-Unis et en Suède. Au total, 63 courses, dont celle d'Abby, où est proposée sur theturf.fr. Le V86 en masse commune avec la Suède et celle de Happy Valley, c'est la réunion 1, avec un quintet à 12 partants sur PMU.fr. À partager pour les gagnants du V86, une cagnotte supérieure à 800 000 euros, cela vaut le détour. À Happy Valley, réunion 1, le 109 Everyone's Elite collectionne les premiers accessites. Le 410 Simply Fluck avec un L reste sur des podiums intéressants, mais hérite d'un numéro tout à l'extérieur à lui de s'en sortir. À Geraldton, le 102 Ruby Jean tente la passe 2-3. À Geyers Row, le 503 Med, qui est la seule jument à avoir déjà couru cette année présente au départ de la course, devrait parvenir à s'illustrer. À Abbey, réunion du V86 sur The Turf, le 102 Mr. McCann reste sur un succès sur le parcours. Le 207 Star on Your Marks est une pouliche d'avenir. Le 901 Perfect Spirit Multiple a déjà gagné au niveau classique. À Fauner Park, le 404 Sergios Limoncello devrait s'imposer. Alors, le quintet du jour est organisé dans la 8e course de la Réunion 1. Il s'agit d'un handicap ayant réuni 12 partants, des mâles âgés de 4 à 8 ans, sur la distance de 1000 mètres, je le disais en préambule avec tournant, pour un départ à 16h50. La corde y jouera, comme traditionnellement sur cette piste, son rôle d'arbitre. Faites confiance aux deux Stronger, vainqueur sur ce tracé en février, et aux 5 Hong Kong Bet qui montent gentiment en puissance. Et bonne chance, je ne vous le dirai jamais assez. Si vous avez une information à nous communiquer ou un message particulier à partager, à faire passer à tous ceux qui nous suivent régulièrement, vous pouvez le faire via un numéro de téléphone, le 07 64 08 48 51. C'est un numéro de portable non surtaxé sur lequel vous pouvez laisser un message. À ce titre, je remercie tout particulièrement Corentin pour ses encouragements. Vous pouvez également nous adresser un mail à info19@canalturf.com, comme l'a fait d'ailleurs Daracen, qui est lui militaire au Sénégal. Continuez à liker ce programme et mieux à le partager sur vos réseaux sociaux favoris, Instagram, Facebook, Twitter, bref, tout y est. Pour ma part, je vous souhaite une bonne journée, jouez bien et on se retrouve demain, même endroit, même heure.